Yeah, c'est Prince Bayfal, on est jeudi aujourd'hui. Lundi 8, je suis là en showcase Wheel of Jam au Cariatide. Si vous ratez ça, c'est chaud. Et le 10, je suis là encore au Cariatide, un concert intégral, faut pas rater là. Ce sera chaud avec Lidio, Prince of the Bayfal au Cariatide. Wheel of Jam, ça va faire fire. Brrr. C'est Tsu MC, mon blaze. Je suis surtout slammer depuis 10 ans. Parce que j'ai découvert le slam il y a une dizaine d'années à Ménilmontant. Et puis j'ai roulé ma bosse dans le slam. J'ai vraiment eu de la chance d'aller dans plein de pays, dans toute la France, de découvrir plein de slammers, de rencontrer plein de gens. Un jour tu verras toi aussi, tu vieilliras et tu porteras un chapeau. Dans la rue, les gamins rigoleront et toi, sous ton chapeau, tu rigoleras plus fort que ces petits cons. Si tu savais, petit, si tu savais. T'as encore rien vu de la vie. Un jour tu verras, toi aussi tu vieilliras. Et tu porteras un chapeau. Et ton chapeau, tu le trouveras beau. Au départ, plus jeune, je voulais jouer de la musique. Donc j'ai repris ma guitare et j'ai mis mes poèmes que j'interprétais sur les scènes slam sans musique. Je les ai mis en rythme. Donc c'est du spoken word, comme on appelle ça des fois du slam en France, mais c'est du spoken word pour être précis. De notre bal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous ne veuillent absoudre. De notre bal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous ne veuillent absoudre. Et j'étais ce soir avec Klim, qui est la chanteuse. Il y a un guitariste soliste, car nous sommes un trio, il n'a pas pu venir. Donc tu as joué ta guitare tout seul. Bah, Klim, elle a fait la guitare des fois, puis moi j'ai fait d'autres fois. Paris s'enflammait pour la révolution désirée des idées. L'histoire est tirée des idées ratées, des idées ratas, des idées tarées. Débordement libertaire, slogan fort, futur message publicitaire. Faites l'amour, pas la guerre, sous les pavés, la plage. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Défense d'interdire, l'imagination, pouvoir. Contre les salauds, Django n'a jamais peur. Contre les salauds, Django tire ou meurt. Contre les salauds, Django n'a jamais peur. Contre les salauds, Django tire aux mains. Super belle voix. Merci. Hein? Tu peux nous redire ton prénom? Alors sur scène c'est Klim. Klim, d'accord. Et toi, comment t'as connu Sous MC? Par quel biais vous êtes amené à collaborer? Pareil en fait, ça fait à peu près 2 ans que je me suis mis à traîner sur les scènes slam parisiennes. Alors je vous explique, en fait elle est en train de rouler je sais pas quoi. Une cigarette. Hein, bon. Et on s'est rencontrés par ce biais là et en fait on a fait quelques bœufs ensemble au départ. Donc, ça a bien collé. Ça prend par surprise. Au dépourvu, faut que t'improvises. On la présente au café, elle s'assied. Elle te parle, elle te sourit. Tu sais que ça y est, te voilà. Piqué croque, pris par les sentiments. C'est comme une nouvelle histoire, un nouveau roman. Dans ces cas-là, il faut abandonner, ouais. Exprimer le fond, tout ce qu'on a à donner. À celle qui par là ne faisait que passer. Laissant derrière elle un gars tracassé. En train de s'escrimer, peinant à écrire. Des vers et des rimes qui ne veulent pas sortir. Rochina, ce poème s'autodétruira à l'instant même où tu t'envoleras. Parole de revanche, je te dédie simplement la futilité de mes sentiments.
Downtown. À l'arrache, on a fait un duo, on s'est fait super applaudir. Ouais. D'accord. Et puis un petit bœuf dans un jardin partagé aussi. Oui, une fois aussi. Et puis. Puis on s'est dit pourquoi pas, quoi. D'accord. Moi, à la base, je suis chanteuse, choriste, enfin, j'écris aussi mes textes. Slameuse, si on peut dire. J'avais si peur que tu mentes. Tu as menti, tu m'as menti, je sais que tu m'as menti. J'ai eu si peur, j'ai eu si mal, j'étais si triste que la tristesse est devenue colère, la haine. Une haine intense tendant vers l'absolu, l'absolue perfection. La haine. Toutes les semaines, depuis 2 ans, je fais une... Alors en ce moment, c'est le mercredi, parce qu'on est dans un lieu qui, malheureusement, la cuisine a brûlé, notre résidence. Ouais. Donc il va y avoir 3-4 mois de fermeture. C'est à Gare de l'Est, à Belleville-Saint-Martin. Et en ce moment, on est à la Locandiera jusqu'à fin octobre. D'accord. On ne sait pas si on va continuer en attendant que notre résidence habituelle réouvre. D'accord. Donc on a, une fois par semaine, on fait un atelier de 19h à 21h d'expression orale. C'est moi qui initie cet atelier. Ensuite, il y a un invité, un guest. Comme j'ai été guest ici, moi aussi, on reçoit des guests. Parfois, d'ailleurs, en lauréat, on voit des chanteurs, des chanteuses. Et ensuite, il y a scène ouverte, slam au départ, mais aussi jam en session. C'est un mélange. Si tu vas dans le désert, ne marche pas sur le scorpion. Théorème, hypothèse, démonstration. Si tu vas dans le désert, ne marche pas sur le scorpion. Théorème, hypothèse, démonstration. Jessica restait sur sa fin, la prod n'avait pas choisi la fin. Actrice du scénar de la vie, intérieur, extérieur, jour et nuit. Quand le réel dit action dans le réel, cette fois il peut pas dire couper. Non, celle-là on la fait pas, ça bascule que dans la cata. Dès que la tombe, l'hécatombe, technique non maîtrisée. Ligne de vie brisée, austérosto, lumière tamisée. Jessica toute cassée, toute perdue, cabossée. A tout perdu sauf la vue, Jessica transportée. A tout perçu, transportée, elle en donne l'aperçu. Si tu vas dans le désert, dans le désert, ne marche pas sur le scorpion. Père à nous qui est venu improviser sur un texte qu'on a coécrit, le deuxième couvert. Qu'on connaît bien déjà, hein, fil de l'air. Organisateur de jam slam. Hein, occasionnellement. Occasionnellement. Oui. Ouais. Donc, très content de faire avec Tsu. Ouais. D'accord. Je connais Tsu depuis 12 ans, faut le savoir. Ouais, ouais, c'est... Depuis 12 ans. Les débuts des scènes slam, je crois. La première scène slam, il était là. C'était les... Il y avait 4 ou 5 scènes à l'époque sur Paris. Voilà, le temps a passé, mais on se croise toujours. Si les gens sont comme des chansons, écoutez bien vos vibrations et faites surtout attention, parce que parmi ça y a des gens cons qu'on pas l'air complètement accordés, qu'on pas l'air encore à notre portée. Y en a qui se sont semés, peut-être en route, en tout cas sur la portée. Ça dénote, ça déroute, ils sont là. Écoute un peu cette musique, ils sont là. Et sans cesse s'agite, mais ne trouve rien de magique parmi les gens qui sont ici, c'est tragique. Et sinon, on peut te retrouver quelque part sur le net, YouTube, Facebook. Alors, j'ai pas vraiment de son, j'ai quelques sons, mais rien dont je sois vraiment satisfait dans la mesure où ça correspond pas à ce que je travaille depuis un peu plus d'un an. Mais j'ai enregistré un son là au printemps et tourné un clip. Parce que tu prépares un projet là en ce moment ? Non, à part sortir ce clip déjà, ouais. Et après on verra refaire de la scène avec Klim, avec le guitariste qui n'était pas là, Pierrot. D'accord. Mais déjà, on pouvait faire ce clip, le titre s'appelle Place Edith Piaf. Ok. Il doit être sur. Donc un des morceaux qu'on a entendu ce soir. Oui, le dernier que j'ai fait. Ouais. Ok. On l'a tourné à l'endroit où je l'ai écrit et avec les jeunes du quartier, quoi, de mon quartier, les jeunes les moins jeunes. Et cette chanson, elle est pour eux. Cette nuit, je sais pas où aller, à qui parler ou le poser. Pas plus que toi, ma place sur cette place, sur ce banc. On est assis là, inutile, en ce lieu, Yasmina. Mater le temps passé, défiler sous nos yeux. Moi j'en ai assez, mais toi tu veux danser, princesse. Summertime, il arrive que les soucis cessent. Mais le carreau s'est cassé, trop tard, c'est moche. Autant de repoches, c'est pas ce qui nous rapproche. On se connaît pas, mais je sais que tu montres pas. Qui t'es, ce que t'as, peut-être que t'es dégoûté. Tu te méfies, la flamme dans ta pupille, vacille. Ils ont voilé ton regard, volé ton histoire. À quoi tu peux bien croire quand je te vois boire? Qu'allons-nous devenir, comment le deviner? C'est sûr, c'est dur de lire l'avenir dans la DSP. Je te jure, trop dur de lire l'avenir dans la DSP. Alors reste dans le vrai s'il te plaît, reste dans le vrai s'il te plaît. Le toc, le bling bling, ça vaudra jamais, jamais l'authentique. Phil. Oui.
Et toi, ton actualité en ce moment ? Moi, mon actualité, en ce moment, j'écris. J'écris, je compile un peu mes textes pour des recueils. Okay. Je fais des scènes, je cherche un nouveau lieu pour la jam et je fais parolier. Parce que le downtown, c'est, ça y est ? Downtown, c'est down. C'est down. C'est down, mais ça va être up ailleurs. Everything I do, I'm trying to kick it. A moment I put you for sure, I feel it. Seems love, I feel I love it. Palace, lions, black eyes, I fuck it. Bop sauce, bullshit sucks. Forget it, just forget it, just forget it, yeah. Leave your life as it can dead tomorrow. Salut Guillaume. Yes, salut. Ça va ou quoi? Bah tranquille, t'as toujours ici hein. Toujours ouais. Hein ouais. Ouais. Alors, cette année, on va dire, Doria t'a recruté. Bah ouais, hein? Putain, la vraie armée quoi. Hein? C'est une vraie armée ici. Donc, ouais, donc en fait, tu vas animer un atelier pour la Factory. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors c'est la Beetlejuice, nom donné par Firebrass Under Control. Merci Fire. Donc, c'est juste un groupe de beatbox qui va contenir des novices. Des moins novices, et le but c'est de faire de la musique ensemble, des créations, des reprises. Donc pour ceux qui connaissent pas le beatbox, on va reprendre les bases. On va toujours trouver un moyen pour faire de la musique ensemble. Voilà. C'est vraiment ça le but quoi. Ah ok. Il y a des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est que le beatbox. Ouais. Tu peux nous... Hein? Ah c'est imiter des rythmiques, donc c'est la boîte à rythme à la base. D'accord. Mais maintenant c'est aussi du vocal, du scratch. Et d'autres percussions qui viennent du monde parce que ça s'ouvre vachement grâce à internet. Des mots comme ça, c'est ouais. Hein? Okay, ça. Vas-y, vas-y, vas-y. On va faire les bases déjà. Ouais. Donc ça, c'est les bases. Voilà. Après, il y a tout ce qui est scratch. Donc, allez. Par exemple, t'as les. Factory. Pourquoi ça t'a intéressé le groupe Labo toi en particulier? Pour pouvoir progresser dans le niveau du chant, au niveau du rap. Okay. Donc, comme dans le beatbox on peut poser sur on peut poser le rap sur le beat du beatboxer, ouais. Musiquement. Et donc ça va permettre de progresser dans le milieu musical. Quoi. Donc, ça va me permettre de pouvoir progresser dans le milieu musical. Ça s'appelle Kill Bill. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill, huh? Paraît que la curiosité tue à le charme. Mais le moins qu'on puisse dire dans ton cas, c'est qu'elle ne t'étouffe pas. Tu vis dans un monde de mecs, avec tes pensées de mecs, le regard cloué entre ton steak et tes pecs. Tu te réalises au boulot, stigmatises les homos, pique ta crise en Twingo, à l'occasion, nique ta go, chop. Moi je suis Kaki. Enchanté Kaki. Voilà. Et ma fonction, je suis mi-magineur. Mi-magineur. Ouais, mi-magicien, conteur, danseur. Ok. Parfois chanteur. Il est très complet l'homme. Oui, voilà. C'est un rêve d'enfant. Je suis un homme très chanceux. J'ai le bonheur de vivre ce que je rêvais enfant. On te voit souvent ici au Cariatide. Ouais, très hein? Souvent, c'est très vrai. Souvent. C'est vrai. C'est toujours un plaisir de te voir. Ben pour moi aussi, c'est toujours une joie de participer, d'être là, de témoigner de ce que je vois au Jam Station. Mm. C'est fantastique.
Je me régale en fait. Souvent d'ailleurs je chante pas tous les dimanches. Ouais. Enfin tous les lundis. Tous les lundis. Par contre t'es là tous les dimanches. Oui, je vais être au Cariati tous les dimanches. Voilà. Voilà. Donc tu vas faire quoi le dimanche? Oui. En fait, non, je viens les lundis et le dimanche. Et le dimanche, d'accord. Alors, le dimanche, c'est de 17h à 19h. Ok. Mais après, je reste, ça va, c'est souvent le feeling. Il se passe des choses aussi, il y a des pièces, des trucs. Voilà. D'accord. Bonsoir à tous, ici on est au Cariati et tous les lundis c'est la jam session de la Factory. La Factory c'est quoi? Un collectif de développement artistique, musique, chant, danse et ce soir... C'est une bonne soirée, donc je suis venu accompagner Raïssa, elle a cartonné, mais après les autres artistes, franchement ils ont assuré, j'ai kiffé l'ambiance, c'est une ambiance sympathique, on était bien tous ensemble et voilà, venez, c'est, ça déchire. Voilà, tous les lundis. Tous les lundis. Au Cariati. Cariati. Raïssa qui va partir. Elle nous fend le cœur. Vous venez à la réunion, j'ai dit. On a le cœur brisé. Ah là là. En tout cas, elle a une adresse maintenant. Elle sait comment, où ça se passe. Voilà. Ça se passe ici au Cariati tous les lundis. Big up à Raïssa. Big up à Raïssa. Yeah. Bla bla. Tes vibes, tes vibes vont nous manquer. Voilà. Dis au revoir. Au revoir. Paris, à bientôt. Sac à son man, sac à son, sac à ton idée. Sac à guinée, à malade, à malade. Moi, je le connais, ça y est, on est ré, n'a plus mon nouveau. Thanks a lot, tous les mots à ya. Thanks a lot, tous les mots à ya. Ya, 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 ya